Ah, ça va être bon. Oui, Oliver Walter, un jeune de l'équipe d'Allemagne. Celui-là, il nous vient vraiment de l'Ouest. Hein. Pas confondre avec Franke ou Andreas Wecker qui venait de l'ex-RDA. Ça, c'est un jeune produit de la nouvelle école allemande. On va voir ce que ça donne. De Stalbert proche de la barre, un jambe serrée, un jambe écartée. Ici, prise d'élan pour un lâcher vraisemblablement au-dessus de la barre en Kovacs. Très enlevé et très très bien enchaîné. Voilà le catch-off que tout le monde connaît bien maintenant. Oui, on en enchaîne deux. Il est bon. Changement de phase direct. L'engagé de la dislocation et le tour dorsal. Prise de vitesse et triple arrière. Oh, très très beau, les jambes parfaitement serrées. C'est le plus beau mouvement. Oui, 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 c'est le plus beau mouvement jusqu'à présent. C'est sûr. De l'amplitude, de la maîtrise. Ah, il est jeune en plus, Oliver Walter. Regardez, ce n'est peut-être pas le meilleur plan pour voir l'élévation. Ah, on s'en fiche, mais c'est beau. En tout cas, regardez ce Kovacs, le double arrière au-dessus de la barre. Ils vont sûrement le montrer sous un autre angle, c'est pas possible. Voilà, alors voilà, 4,14 m de hauteur. Flexibilité 2,9. 2 cm 9. Il n'a pas fait bouger beaucoup cette barre, regardez. Et là, oh là là, ça c'est le Valol Kovacs. Oh, ça c'est superbe, il n'y a rien à dire. Il est à bonne distance et il enchaîne sans problème. Qu'est-ce que c'est bien fait. Eh bien, dites-moi, la note va sortir, je peux vous dire que ça va être de l'ordre de 9,70. Oh oui. Oh, et avec tout ce qu'il y a eu. Plus le triple en sortie, non? Ah ben, les juges, attendez, il faut voir qui y a aussi à la table. Hein. Ah ben non, 9,537. Mais on n'est pas dans un concours général. Hein. C'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas coté de la même façon. Enfin, c'est vrai, mais ça constitue déjà une très belle note au niveau du concours masculin. Tous les cas. Un code de pointage très rigoureux. Regardez comment ça tourne bien. Alors, il y a des athlètes qui gardent des maniques. C'est ce que... ces protections que l'on voit autour des mains, et il y en a d'autres qui ne les mettent pas. Enfin, en général, les maniques assurent mieux la protection